Alors, fait l'œuf, je reprends la suite de DX, je dis que ça fait l'œuf parce que là, j'ai pété mon casque microphone. Enfin, je m'en achète un autre, là j'ai tout un côté du casque qui s'est brisé. J'ai le microphone qui fonctionne encore, c'est pour ça que je le reprends, mais de toute façon, il faudra plus que j'investisse dans un casque micro, c'est pas l'idéal. Si même plus tard, je m'amusais à faire comme les diffuseurs sur Twitch, faire des directs, il faudra que je m'achète vraiment un vrai microphone à investir à 200 boules, s'il le faut, sur trépied, et avec une bonne mousse, comme dans les studios de radio, et un unidirectionnel, et que je fasse vraiment des directs de qualité, des enregistrements de qualité. Il va falloir que je passe j'investisse dans la classe au-dessus, mais ça, ce sera plus tard quand j'aurai mon appart, et malheureusement, j'en suis encore loin. Bon, allez, on se motive. Non, quitter, mais qu'est-ce que je fais? Je sens que je vais faire de la merde. Alors, j'ai moyennement envie de jouer, mais je me force à le faire. Pour déjà, faire quelque chose dans ma journée, sinon là, je suis en végété tellement je suis pas bien. Je rappelle que je prends un traitement pour calmer mes nerfs qui, effet secondaire, me donne la diarrhée, donc je peux quasiment pas sortir plus d'une heure dehors sans avoir envie d'aller aux toilettes, c'est une catastrophe. De stase cryogénique là. Merde, j'ai oublié son nom. De Beers. Eugène De Beers, je crois, son prénom, Eugène. Et merde, il m'a vu. Oh, mais sonné l'alarme, je suis dans la merde. Donc, De Beers, qui est le fondateur des Illuminati, qui a quasiment 150 ans là, quand je l'ai désactivé. Alors qu'il était chez Everett. Déjà ces deux-là font partie de l'ordre fondateur, enfin fondateur. Étaient les Illuminati, en fait sont les Illuminati. Le conseil des sages, comme on l'appelle. Et à un moment, je me suis amusé à recharger hors enregistrement ma sauvegarde avant de l'euthanasier, le malheureux. Et j'ai fait la réponse, lui mentir, lui dire qu'en fait Everett allait lui donner un nouveau corps de synthèse et qu'il allait retrouver sa jeunesse, machin, et qu'il va sortir de son caveau, là, de son système cryogénique, c'est sa stase. Et en lui mentant, en fait, ah, j'avais pas vu qu'il y avait un mec... Ah, c'est intéressant, ça. En lui mentant, en fait, il avoue toutes ses gloires passées, monsieur De Beers.
Il explique que c'est lui qui a... Definitely somebody. Non, 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 non. Il n'y a personne. Tu es myope, va t'acheter des verres dans le foyer. Et donc, putain, je vais y arriver aujourd'hui. Il disait que c'est lui qui a commandité l'attentat de Kennedy. Ah oui, ça y est, je comprends le truc. False alarm, I guess. Oui, mais je vais faire du bruit, moi, avec la caisse. Oui, il se passe quelque chose. Bam! Non, ça va? Non, bah, apparemment, ils sont cons. Ça me dérange bien. Je me suis fait super mal. Il y avait peut-être une échelle, non? J'ai pas l'impression. Attends, je vais me régénérer. Don't have the manpower to hold the base. You should have requested more men. That is your blunder, not mine. We don't have time to argue about it. I have an assignment from Bob Page, and I intend to complete it. Yes, sir. Donc il a commandité. Je vais y arriver, mais je suis. Pardon, hein, mais je suis aux fraises aujourd'hui. De Beers avait commandité l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Et d'ailleurs, 5 ans plus tard, de son frère Robert, parce que il a Kennedy, et là c'est un fait historique, il avait dit que il y avait, je sais plus, lors d'un congrès de l'université américaine, il avait dit que le président est pas à la tête de tout, et il y a un groupe dissident qui contrôle hors mandat présidentiel les États-Unis et une partie du monde, et il faisait référence aux Illuminati. Donc c'est quoi ça? Oula, c'est un truc de surtension. Si j'allume ça, à mon avis, je vais péter quelque chose. Je les gasse tous. Et donc, il se vantait d'avoir revendiqué l'attentat de Kennedy, quoi. Entre autres choses. Parce qu'il voulait sauvegarder l'ordre des Illuminati et surtout rester discret, ne pas être mis en lumière. Parce qu'évidemment, être mis en lumière, c'est la mort de l'organisation. Attends, j'ai pas lu. J'ai pris quoi comme code? Clé de la réserve de recherche biologique, ok. Pardon, j'ai des gaz. Je digère ma banane. Laissez-moi manger ma banane nue, seule sur la plage. C'est la chanson de Philippe Catherine. Whoever's out there, it's dead. Remember the briefing. Non, 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 non. Remember the briefing. He's here somewhere. J'ai fait une grosse connerie. Je fais de la merde. Visual contact has been lost. Where'd he go? Je fais grave de la merde aujourd'hui. Target's gone. Aerial. He's miles away by now. Voilà quoi. Et donc je garde évidemment dans ma sauvegarde ce que j'avais fait d'enregistrer en vidéo. C'est-à-dire que je l'ai euthanasié. Même si Everett n'était pas content parce que c'était son ami. Mais là, pour le coup, il ne vaut pas mieux que les terroristes, parce que garder en stase et mentir en plus à son ami alors qu'il pourrait vraiment le régénérer, le mettre dans un corps de jeune, mais le garder juste pour avoir ses conseils, c'est dégueulasse, quoi. Conserver un homme parce que c'est une bonne base de données, c'est abject. Il ne vaut pas mieux que les terroristes. Donc Everett a considérablement baissé dans mon estime. Et je pense pas que je vais lui donner les... Je vais pas lui donner les pleins pouvoirs à la fin du jeu. Subject is approaching. À moins qu'il y ait vraiment un retournement de fou de situation. Mais attends, mais c'est quoi ça? Wally, Wally où? Attends, je vais changer un truc sur mon téléviseur. C'est que j'ai mis l'économie d'énergie au max et je vais la désactiver parce que je vois pas les noirs. La balance des noirs, si je puis dire, est horriblement bas.
Ah merde, d'accord. Effectivement, ça va pas. Putain, mais ils sont nombreux, les salauds! Merde. Ouhou. Le mec, il est sur le qui-vive. J'ai l'impression que je suis obligé de piéger l'un des accès. Voilà pourquoi j'ai sauvegardé à l'instant. Je la sentais pas du tout. Ah, puis j'ai pas fini de boire mon thé d'hier soir, moi. Entre temps, je me suis fait un café. Putain, mais je vais déglinguer mes nerfs. False alarm, I guess. Je crois que je suis obligé d'y aller à la bombe. It's dead. Remember the briefing. Je crois que j'en ai aucun. Let's finish him off. Watch yourself. This one's sucked. That was one tough SOB. Ah, c'est horrible, les morceaux de chair qui giclent. Au moins, c'est drôle. Definitely somebody. My mistake. Bon là, je reconnais que je regrette pas ma glow parce que j'ai fait un joli strike. Oui, bien. Somebody. That's the one. Okay, drop it. Let's do the paperwork on this one. Ils sont trop nombreux. Je peux pas. C'est effrayant. Thank you.
definitely somebody. I could have sworn... Company, watch yourself. This one's some kind Hello. Of mech. Attends, c'était quoi? Le toit, c'est 3. D'accord. Merde. Vas-y, voir que j'ai sur le toit. Oula. Oh, merde. Ok, let's do the paperwork on this one. Ça marche par terre. En fait, oui, ça y est, j'ai compris. Je sais où j'atterris. Je me demande si ça peut ne pas marcher ma technique de l'ascenseur. Oh non, le temps que j'en dégomme un, hein, que je... Oui, je reviendrai te voir après, madame. The briefing. Sniper, le mec. Il me l'a fait à la 007. Stylé. Et après, on le voit pas, mais il a repris son canon flingue, il a soufflé pour évacuer la petite fumée. Il l'a rangé en 360 degrés avant de le remettre dans sa... Dans sa rengaine. Dans sa gaine. Company, aim for the head. That's him.
ces caisses de TNT m'intéressent énormément. Oh! Il y a un joujou à faire. Je vais lui faire une... Oups, j'ai glissé, chef. Voilà. Et tu cours contre la rambarde. Where the hell are the bots? They're supposed to exterminate these... MJ-12 cut the power to the defense system. But don't worry, the situation's under control. Except for the control room, this building has been totally overrun. Maybe I can do something about that. Be careful of our defense systems. MJ-12 reprogrammed them and locked our accounts. There's a back door, but I haven't been able to try it out. Login command, password Zebra42. Thanks for the warning. Stephanie Maxwell. This is what we get for not having a militia. Ça, en plus d'être chercheuse à canon pareil, elle fait même le café. C'était gratuit. C'était totalement gratuit. Alors, attends, faut que je sauvegarde parce que ce que je fais c'est cool. Faut pas que je meure comme un gars. Base militaire, c'est ça? Je vais arrêter le déchet. Ah, des ordinateurs portables classiques. Putain, ça fait plaisir à voir. Couteau de combat, arbalète, grenade, ouais. Vous avez du matos, le gugus en noir. Oui, je veux bien manger un peu parce que c'est vrai que je suis endommagé. Oh, d'accord, US Air Force, putain, je suis carrément dans une base militaire. C'est le dit ascenseur, d'accord.
c'est bien, j'ai désactivé là. C'est sympa. Ils ont sécurisé X51. Si je suis quand même attaché à Daedalus, hein, je ne voudrais pas dire, mais... dans la pièce. Oh oh, intéressant ce que je vais me voir passer. Ah ma couille. Oh bien. Ah oui, merde, c'est vrai qu'il y avait du matos aussi. Oh, faut que j'y retourne. Merde, je me prends la porte dans la gueule. C'est beau, c'est le firmament. On voit les étoiles. C'est joli de voir les étoiles. Ah non. Il faut que Jesse Danton fasse un régime. Il passe pas. Là parce que je vais déclencher l'alarme, mais attends, je vais me ranger dans la coulisse. Allons dans la coulisse. Ah, puis une fois que je suis là, ouais, j'ai plus de dédouer. Alors je vais lire paisiblement la note. Alors, de Gary Savage à destination de X51, sujet: nous devons nous battre.
Lorsque nous avons quitté le MJ-12, nous pensions tous qu'une longue route nous attendait. Et pour beaucoup d'entre nous, y compris moi, elle a été un long chemin de pénitence. J'étais un bon scientifique, mais peut-être pas un humain aussi bon. Je n'ai jamais envisagé les conséquences des inventions auxquelles j'ai si activement contribué, ou pensé à ceux qui pourraient exploiter ces nouvelles connaissances pour servir leur dessein. Mais maintenant, il nous faut affronter les conséquences de nos choix, et nous dresser contre ceux qui veulent nous empêcher de créer un avenir meilleur pour nos enfants et le monde. J'ai déjà perdu beaucoup de mes amis, et je veux plus en perdre aucun. Les robots devraient se charger de l'essentiel des combats, si Dieu le veut. Mais nous comprenons tous ce qui est en jeu. Si nous pouvons connecter IECU... Alors, IE, je vois pas, mais CU, c'est Constructeur Universel. Nous avons notre chance. Mais si le MJ-12 l'emporte, alors tous nos efforts et tous nos sacrifices auront été vains. En tant que scientifique, j'ai une étrange sensation en écrivant de tels mots, mais les circonstances ont modifié ma perspective des choses. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est une chance pour demain. Et un combat vaut bien cela. Un combat que vous rejoindrez, j'espère. Signé Gary. Bon, ça a l'air d'être plutôt de nobles paroles. Merde. Alors moi, j'ai un noble problème, c'est que... Voilà. En fait, ça mène à rien du tout. Are you serious? Ah, si, il y a quelque chose. Quoi? Serrure infinie. Bon, il y a une petite résistance que je peux faire péter, mais. Ouais, laisse tomber. Oh! Mon dieu! Mais il y a des passages partout, allez bien regarder. Putain, mais j'ai accès à rien. Je sens que je vais faire des allers-retours dans le bâtiment, mais alors quelque chose de bien. Où suis-je? Where I am? Doko Deska, où est-ce? Nani? Oh! La dépouille d'un scientifique. Pourquoi? Ah, j'ai gagné une glow. J'ai gagné une gloire. On est où là? Hein? C'est dehors. Je respire de l'air frais. Oh. J'ai gagné une gloire. C'est comme si j'avais gagné le gros lot. Donc cette porte mène vers l'extérieur. Ce qui ne m'intéresse pas pour le... Putain, j'ai failli ne pas le voir qu'il y avait une échelle au mur. Il y a un accès qui ne m'intéresse pas pour le moment. What the fuck? Mais que fais-je? Ça me rend fou. Oula. Et dire que Hook m'a déposé un hélicoptère sur le toit de ce bordel. Ce bordelium de bâtiment, hein? Je vais retourner d'où je viens et je vais aller voir le... Oh! Je me suis fait bobo. Je sais même pas obtenir au barreau d'une échelle. Rien ne va plus, je vais crever comme un caca. Oui, je vais aller au Hazard Lab. Au Hazard Labo. Oh, il y a une caisse là-bas. Oh, j'irai tout à l'heure. J'aurais neutralisé toutes les menaces. Oh. Wow. Attends, je peux bien les intituler.
Sécurité et stockage. Medicals. Yes. Oh putain! Le robot qui m'a déclenché la porte. Je veux bien du medicals. Merci pour le medicals. La madame, messieurs, si vous avez besoin de reprogrammer pour un compte, il y a une porte à l'arrière, mais je ne pas. Ah, une porte à l'arrière, commande Zebra 42. Ouais, c'est pas ici. Avec mon balai, désolé. J'appuie sur un bouton par inadvertance. Alors, le nommé jeudi par J.K. Chesterton. Chesterton, pardon. Les deux adversaires avaient tombé leurs manteaux et gilets et empoigné leurs épées. Les seconds se mirent de côté de la ligne de combat, les épées sorties eux aussi, mais sans ôter les sombres redingotes et les grands chapeaux noirs qui les obscurcissaient. Les duellistes se saluèrent. Le colonel ordonna doucement « Engagement !» Et aussitôt, les deux lames se croisèrent, tintant légèrement. Lorsque la petite vibration des deux épées qui s'entrechoquaient courut le long du bras de Sim, toutes les craintes qu'il avait habitées tout au long de cette histoire s'estompèrent comme des rêves évanescents au sortir du sommeil. Il se souvenait de tout parfaitement, mais comme de simples illusions de ses nerfs fragiles. Il se rappelait comment la crainte du professeur avait symbolisé la crainte des accidents tyranniques du cauchemar et comment le docteur avait représenté la crainte du vide étouffant de la science. La première d'entre toutes était cette vieille crainte qu'aucun miracle ne se produise et la seconde, plus moderne et désespérée, qu'aucun miracle ne pouvait advenir. Mais son impitoyable bon sens lui fit comprendre aussitôt que ces craintes n'étaient que des illusions lorsqu'il se trouva face à celle de la mort. Il se sentit alors comme un homme ayant rêvé la nuit entière de chutes sans fin dans d'infinis précipices, et qui se réveille le matin pour être pendu. Parce que dès qu'il avait vu la lumière de l'aube courir sur la lame raccourcie de son adversaire, et qu'il avait senti les deux langues d'acier vibrer en se frôlant, comme animé de vie, il avait compris que celui qui s'apprêtait à affronter était un combattant hors pair, et que très probablement sa dernière heure était venue. Sympa les petits romans. J'ose pas dire nouvelles parce qu'il y a quand même pas mal de textes. On va dire que c'est des mini-romans ou des grosses nouvelles. Alors, là, je suis tout sauf un expert. Hein. Ah mais c'est inondé. Je suis pas
spécialisés dans la littérature. Mais pourquoi ils sont morts noyés, eux? Ah, génial, ils sont morts électrocutés. Je viens de voir le... D'accord. Ah merde, il y a une innocente. Ah, fais chier. Tu aurais pas l'innocente, je prendrais un explosif et boum. Ah, fais chier. C'est peut-être le grand panneau en bas que j'ai... La merde dehors. Faut surtout pas que je sorte. Ils sont... Ah, je crois que c'était une caisse. D'accord, il y a un clampin qui s'assied sur ce banc de temps à autre. Ok, à chacun ses loisirs. Tu me diras, la vue doit pas être pas mal, ouais. Pas de 1000, merde. Ah oui, crochetage, il me faudra 6000 pour être un... Ouah ! Recognized user for this device.
Vous êtes qui, vous? Oh, de l'ambrosie. I give up. Calm down, I'm here to help. What can you tell me about the attack? They took over the building. We're finished. Anything specific? I'm heading to the command center. I don't want any surprises. If I was you, I'd go through the tunnels. You could use the security system to see if the coast is clear. The login's Tunnel 01. The password's Omega 2A. Any troops down there? Well, I heard them talking. They don't want to get caught from behind, so they left a few spider bots down there. But guess what? I found an EMP grenade in the storage closet. You can have it if you think you might go down there. Sure. Be careful with that thing. Sorry, I can't carry anything else right now. J'ai peut-être le nombre max. Oui, j'en ai 10. Mais merci. Je sais que je pourrais être ravitaillé par tes soins. Want that EMP grenade? Sure. Be careful with that thing. Sorry, I can't carry anything else right now. Je voudrais prendre des munitions. Merci, monsieur. Mais je suis en pleine santé, je crois. Ouais. Le mec qui doute. Oh! Mon décodeur m'a été remboursé. Mais j'ai la crémière, sa culotte, son pognon, son lait et tout le reste. C'est incroyable. Oh putain. Est-ce que je me la fais ninja? T'es pas mort. That's him. Ah, ils sont nombreux. Non mais ils vont me buter là, ils sont trop nombreux. Ça va pas. J'ai l'impression que c'est parce qu'ils sont à proximité, mais... Ah non, je suis mort quand même.
Je devrais pas mettre. Je devrais mettre sur le mur opposé la grenade en fait. Je pense que c'est parce qu'ils approchent. J'étais en train de me noyer dans 50 cm d'eau. It's possible, baby. It's possible. Alors, la portée pour ça. Un essai dégueulasse. Est-ce que j'ai le droit de la... Est-ce que j'ai le droit de porter le... Putain, mais... Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas moyen de monter sur la table. Si. J'ai déclenché quelque chose. Déjà, je veux bien sauvegarder parce que je suis content de ce que j'ai fait. Saloperie de nanovirus. Bah, le contenu m'intéresse pas spécialement, à vrai dire. Ah, je vais devoir plier. Oh, je gagne. Oh, putain, magnifique. Je regagne ce que j'ai misé. C'est la rentabilité absolue. Ah, madame, je vais enfin pouvoir vous parler. Je suis nervous. Je n'ai pas pour habitude de droguer les filles. Je dis n'importe quoi. Lot of troops up this way. Thanks for finding my assistant. I thought they'd taken him off to be shot. No problem. If you want to look for troops, you should log into the security network. The username is Command, and the password is Zebra42. Not a bad idea. Stacy Weber. You found him! C'est rigolo de voir le...
la peste grise a flotté dans son container. D'ailleurs, je vais en faire un capture d'écran, ça me plaît. Tout ceci me plaît. Want that EMP grenade? Sure. Be careful with that thing. Sorry, I can't carry anything else right now. Je sais même plus c'est quoi ma mission. Je suis con, moi. Ah, active secondaire. Activer le système d'alimentation secondaire pour le système de sécurité des robots des chercheurs du X-51. Activer le système d'alimentation secondaire. Allez, sinon détruisez les deux robots militaires et les deux robots vigiles du MJ-12. Toutes les issues sont bouclées tant que les robots n'ont pas été détruits. Oh putain. Hein? Attends, j'ai entendu un bout de glace. Info. Des jeunes, quatre petits cons. Il y avait une bouteille de vin vide qui traînait sur un bord de muret d'un voisin là, que personne n'a jamais ramassé. Moi, honnêtement, j'aurais fait au moment de vider mon verre ce que je vais faire dans quelques jours. Bref, les petits cons, ils ont rien trouvé de plus drôle que de se saisir de la bouteille et de la balancer devant chez moi. Donc c'est bien, j'ai plein de débris de verre devant chez moi au niveau de l'impasse. Merde, j'ai oublié de prendre ma souris.
continue la partie. Want that EMP grenade? Non, merde. Sure. Be careful. Oh, mon casque, il est devenu ingérable. Sorry, I can't carry anything else right now. Il est brisé en deux, c'est horrible. Ça me fait penser à Remy Hop quand il jouait à Doom. Il s'est fait avoir par les témoins de GVO, là, comme on dit dans les vamps. Et dans l'agacement de les avoir su, il rigolait en disant tiens, je joue à Doom. Be careful with that thing. Faut voir la séquence. C'est une hérésie de jouer à ça pour les témoins de GVO, là. Et il avait brisé en casque son 2 en direct. Il a mal manipulé, il l'a brisé en deux, il a fait la gueule. Et il y a un gars de sa communauté qui le regardait en direct et il était tellement mort de rire, du coup il lui a fait un don, je sais plus, de plusieurs dizaines d'euros pour qu'il se rachète un casque. Je me demande s'il lui a pas donné 50 balles direct. On va te racheter un casque. Ah, il y a des mecs bien quand même sur cette terre, ce qu'il faut se dire. Ah, le robot est sorti. Ah merde, ils m'ont vu. Je penserais pas qu'ils me verraient. Ah, perdu. J'ai pris l'ascenseur, mon cul. Putain, au bon moment. Sur le toit. J'en ai droit en plus. Hein. Je devrais pas dire, mais. Oh, j'en ai au début. Là, je peux peut-être faire la causette à la madame. Faut dire ce qu'il y a, c'est un grand bâtiment. Putain. Waouh, mais il y a des morts partout. Il y a plein de scientifiques qui se sont fait abattre comme des chiens. J'ai besoin de vérifier certaines choses. Non, ça va. Ah, c'est un cactus! Excellent, je crois que c'était un mec. Ah, là, par contre, c'en est un. Putain, il est trop loin. Oh! Il y en a à tous les étages! Putain! Attends. Vous êtes sérieux, les gens? Je les snipe de là. Mission impossible. Oh, je l'ai eu. Oh. Putain, mais il m'a niqué la jambe à 100 mètres de distance. V'là le snipe, toi. Ah, c'est vrai qu'il y a un robot qui répare. Non, mais je vais garder ma performance, je m'en fous, je suis content. Je vais aller voir la madame. C'est la plus longue pause de toute sa vie. Elle attend que la prise d'otage soit terminée. La prise d'otage. One of the control units is outside to the southwest. The other one's in the transformer room. Oh, putain, mais il y a trop de mecs. Putain, mais et si je remonte sur le toit avec un lance-roquette, je suis un carton. Waouh, 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 un entrepôt de munitions, ça me plaît énormément.
Putain, si lui j'arrive à me le faire. On va voir. Oh mais si je me baisse, c'est mort. Putain, je crois que je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu. Et j'ai fait un tir de 200 mètres. Mais je le vois plus. Avec les plafonds baies vitrées, je repenserai toujours au terroriste de la NSF qui est passé au travers de la vitre du plafond de l'aéroport et qui s'est tué en chutant de 2 étages et demi. Il fait bien rire ce con. C'est pas vrai. C'est une tour de contrôle. Comment ça chantonne? Y'a un mec qui est tout proche? Oh merde! Attends, je retire. Arrête de bouger. J'avais même pas vu qu'il était avec moi, lui. Waouh, j'ai failli tirer, je l'aurais même pas vu. Putain. À visiter. Ce lieu-là, je mets 3 heures, 4 heures à l'explorer. C'est pas la peine. Putain, j'espère qu'il marque un arrêt dans sa ronde. Ouais. Nickel. En plus, il est décalé. Oh, c'est la douille de ma balle, dis donc. Je crois qu'en décalé, en plus, personne ne le verra là où il est mort. Donc je vais même pas éveiller les soupçons des... Putain, le mec MJ12 là, il m'a... Oh là 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 là... Thank you.
Ah, bah non, oui, je sais où je tombe si je tombe là. D'accord, c'est... Ouais, c'est... Qu'est-ce qu'on y a ? Tiens, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai glitché mes jumelles. Ce qui, entre nous, était une très bonne chose. Alors, il faut que je puisse le... Le voir... Putain... Non, c'est pas... Putain, il faut que je sois à son niveau. Sans quoi, je pourrais pas le sniper. Faut que je, oui, que je désactive le laser parce que sinon le mec il va me voir. Et c'est la mort qui t'a assassiné, Mathias. Ah non, ça va, c'est les vannes, mais. Putain. Il y a un truc sur le toit, je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc. Putain, il bouge trop et je suis trop loin. Non, j'ai merdé. Il a pas entendu quelque chose siffler dans l'air? Tu me diras, il y a tellement de vent. Non, je suis de la merde. Faut que j'arrête, je suis de la merde. Il arrive à me toucher, hein, le salon. Oh, je suis devenu... Kujat. Ça me va pas. C'est même pas dit qu'en étant Kujat, j'arrive à ramper jusqu'au haut du toit. Ça handicape vraiment de perdre ses jambes. Va me réparer. One of the control units is outside to the southwest. The other one's in the transformer room. Yeah. La la la. Ouais, j'ai faim, je vais arrêter mon enregistrement dans peu de temps parce que je vais me faire un encas et je vais danser la Nuba Nuba Solitaire Club. Je dis n'importe quoi. C'est horrible, je suis Kujat. C'est là où j'ai wesh un mec armé, je suis tous dans l'ascenseur. Je suis mort. Je pense qu'ils ont pris leur poste, les guillemets. J'ai envie de dire, il y a intérêt, parce que sinon je suis dans la merde. Ah non, j'entendais pas. Something's in here.
Merde! Oh chier, faut que je réactive les caméras. Je reprendrai plus tard. Ouais, allez, je reprendrai plus tard.